Témoignage d'une ancienne adoratrice du diable. Numéro 1. Chers amis, nous sommes heureux de partager avec vous ce témoignage d'une ancienne adoratrice du diable. C'est le témoignage d'une jeune femme sud-africaine qui a passé près d'une douzaine d'années à servir Satan et a gravi plusieurs échelons durant ce temps. C'est un témoignage qui, comparé au témoignage des autres anciens serviteurs de Satan, est très simple et propre. Propre dans ce sens qu'elle a fait l'effort de relater son témoignage sans le mélanger avec les abominations que nous sommes habitués à lire dans les témoignages des anciens satanistes. Ce témoignage est donc simplifié, assez court, mais très riche. Il est en deux parties. Il confirme l'enseignement sur le combat spirituel que nous avons mis à votre disposition il y a quelques années de cela. Nous vous encourageons à lire les deux parties et à prendre les avertissements que le Seigneur nous donne à travers cela, très au sérieux. Nous vous conseillons également de relire en entier notre enseignement sur le combat spirituel. Que le Seigneur vous accorde la grâce de vous dépouiller et de vous sanctifier en attendant le son de la trompette. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je m'appelle Nonkolison Geleka. Je suis de Nzimakl et j'étais une gradée dans l'espace pendant 12 ans. Je suis né en 1988. J'ai 22 ans. J'ai travaillé dans l'espace dès l'enfance, et j'ai gravi des échelons pendant tout ce temps. Il y a des rangs différents dans l'espace. Il y a des adorateurs du diable dans les églises, qui ne savent pas qu'ils représentent le diable, et il y a des adorateurs du diable qui sont capables de quitter leur corps physique pour aller dans le monde spirituel. Je faisais partie de cette deuxième catégorie. J'ai commencé à avoir des rêves dans mon sommeil, dans lesquels je combattais comme dans les films, et triomphais dans ces batailles, dans une zone urbaine. Le troisième jour que ce rêve s'est reproduit, j'ai entendu une voix, me demandant si je voulais suivre cette voix. J'ai dit oui, et il a dit allons-y. Quand nous sommes allés, je me suis séparé de mon corps, et un démon est resté avec mon corps, et puis je suis allé travailler dans l'espace. Quand je suis arrivé là, ils m'ont donné un code et m'ont offert le sang, parce que vous devez vivre du sang des gens, afin de perdre tout sentiment humain, et vous comporter comme un animal. Il y a des nombres qui représentent chaque grade. Le nombre 3 représente des adorateurs du diable, le nombre 6 représente les satanistes. Un sataniste est quelqu'un qui est mort, étant adorateur de diable, et qui vit maintenant dans le royaume spirituel seulement. Le nombre 9 représente Satan, le roi des démons, Lucifer qui a été chassé du ciel à cause de l'orgueil. J'ai travaillé dans l'espace. Au départ, nous étions envoyés pour causer des accidents sur les routes, afin que les démons dans l'espace aient du sang à boire. Il y a les chefs qui gouvernent dans chaque endroit. Par exemple à Nzimakl, ils ont leur chef qui est un sataniste. Je vous ai déjà expliqué plus haut, qui est classé comme un sataniste. Quand il avait besoin du sang, nous causions un accident dans cette zone. Quand nous causions cet accident, nous venions en esprit, et personne ne nous voyait. Et puis nous jetions un anneau devant le conducteur qui perdait la concentration, et la voiture faisait des tonneaux, des gens mouraient, et le chef obtenait du sang. Mais en tant que de nouvelles recrues, nous ne vivions pas de ce sang. On nous donnait de ce sang occasionnellement. Les chefs vivent la plupart du temps dans les rivières. Ils vont dans l'espace seulement quand il y a des réunions de réveil et d'autres événements de l'église. Satan vit dans la mer. Nous, jeunes recrues, vivions du sang que nous suçions sur des gens ordinaires vivant sur la terre. Nous nous tenions debout à côté de, par exemple à un arrêt d'autobus, ou ailleurs, et nous commencions à sucer leur sang, surtout s'ils avaient un de nos produits. Les victimes se sentent alors fatiguées et un peu déprimées, et elles peuvent penser qu'elles ont une journée difficile. Mais c'est surtout dû au fait qu'un adorateur du diable est en train de sucer leur sang dans le monde des ténèbres, mais la victime ne meurt pas. Mais s'il s'agissait d'un chrétien, sauvé et menant une vie sainte, nous ne pouvions pas sucer son sang. Si nous essayions de le faire, l'esprit du chrétien intercéderait pour la personne, surtout par un hymne, et je brûlerai. De même si nous causons un accident, avec un chrétien parmi les passagers,
Nous ne serions pas en mesure de boire le sang des gens qui sont morts là, parce que le sang du chrétien endommagerait le sang contenu dans cette banque de sang. Et si nous devions boire ce sang, nous serions faibles et incapables de faire notre travail. Satan et les chefs ne pouvaient pas le boire non plus. Si une personne est sainte, cette personne n'utilise pas nos produits. Les stringues, ce sont nos produits. C'était mon devoir de prononcer des incantations et des malédictions sur ces objets. Les boucles d'oreilles, les colliers, les vernis à ongles, des extensions de cheveux en fibre, peu importe le genre, que ce soit le collage ou la tresse. Tous les objets en or sont les produits sataniques. Donc si vous utilisez ces choses, bien que vous soyez sauvés, si nous voulons vous attaquer, nous utilisons notre code, et si vous portiez une boucle d'oreille, ou si vous la mettiez dans votre tiroir, nous viendrions, et verrions la maison protégée par un mur de feu de Dieu, et nous scannerions avec notre code, comme on le fait à la caisse dans les magasins. C'est parce que la boucle d'oreille, ou l'extension de cheveux en fibre que vous possédez, ont un code. Et j'entrerai, et ferai tout ce que je voudrais vous faire. Il arrive que quelqu'un soit saint, même s'il utilise nos produits. Mais le danger est que vous ne pouvez pas être protégé. Quand nous venons dans votre maison et vous trouvons protégé, nous pouvons monter à Dieu, parce que Satan peut accuser les frères devant Dieu, et nous demandons d'obtenir notre produit, que ce soit une boucle d'oreille, des extensions de cheveux en fibre, le vernis à ongles, ou n'importe quel autre de nos produits dans la maison. Quand nous venions dans votre maison, en esprit, nous faisions alors tout ce que nous voulions vous faire. Nous profitons du fait que Dieu est lié par sa fidélité, et ne peut pas voler. Nous lui demanderions comment il fermerait notre produit dans la maison, et la protégerait avec le mur de feu. C'est là où se trouve le danger d'utiliser les produits sataniques. Quand nous arrivons, nous prenons aussi petit à petit votre sainteté. J'allais et proférais des malédictions et des incantations sur les produits. Nous avions l'habitude de dire que quiconque utilise ces produits doit être lascif. Et si vous utilisez ces produits, la malédiction s'abat sur vous. S'il s'agit d'un bijou par exemple, nous dirions que les utilisateurs deviennent des prostituées ou des débauchés et qu'ils soient désobéissants. La prostitution dans l'esprit n'est pas limitée au fait de vendre votre corps pour de l'argent. Il peut aussi dénoter le comportement et la façon dont une personne s'habille. J'ai beaucoup travaillé avec ces choses. Et il vint un temps où j'ai obtenu une promotion, parce que j'avais beaucoup travaillé avec ces choses, et j'avais beaucoup de succès. Et ils ont ajouté un autre chiffre à mon code, parce que j'ai passé la classe de prière et de prononciation de malédiction, sur des extensions de cheveux en fibre, bijoux, et choses semblables. J'ai été promu pour m'occuper de l'église. Quand j'étais à ce grade, j'ai visité beaucoup de pasteurs bien connus. Quand j'allais à chaque événement religieux, surtout des réunions de réveil, je portais 3 anneaux au bras et 2 anneaux au doigt. Je jetais les 3 anneaux de bras au milieu de l'église, et les anneaux de doigt, je les jetais devant le pasteur, l'un à droite et un autre à gauche. Si le pasteur priait, le premier anneau roulait vers l'église, mais le deuxième revenait à moi. Et comme je l'ai expliqué, je priais sur les anneaux quand ils étaient encore en cours de fabrication, prononçais des malédictions dessus, incitant la convoitise. Le pasteur voyait alors une belle fille, et si jamais il avait des pensées impures vis-à-vis de la fille, il perdait sa sainteté, parce que nous savons tous que l'Esprit Saint ne demeure pas dans un endroit impur. C'est de cette façon que nous renversions les pasteurs. Il arrivait aussi qu'un pasteur soit fort, et nous résistait, nous et nos anneaux. Dans ce cas, nous utilisions sa femme. Si sa femme utilise n'importe lequel de nos produits, la fibre agirait sur eux la nuit, comme cela agit sur n'importe quel autre utilisateur. La femme du pasteur changerait alors sa doctrine. Si dans l'église, le bijou n'était pas permis, elle changerait alors et dirait qu'il n'y a rien de mal dans le bijou, et le pasteur serait aussi d'accord, parce qu'ils sont mariés et sont un en esprit. J'ai fait beaucoup d'incantations sur des pasteurs et ai renversé beaucoup d'entre eux. Quand je parviens à gagner le pasteur, il change. Un pasteur qui autrefois prêchait que les chrétiens doivent abandonner le péché, dira maintenant qu'une fille peut avoir un petit ami
Et il dira qu'un jeune homme peut avoir une petite amie. Il changera et dira que le culte des ancêtres est permis. Laissez-moi expliquer quelque chose. Les morts ne sont pas des démons, mais ils ne peuvent plus rien faire dans ce monde, puisqu'ils n'attendent que leur jour de jugement. Nous allions à leur tombeau, et mettions nos esprits pour faire croire que c'est votre parent qui agit, mais c'est en fait nous qui agissions. Nous le faisions plus particulièrement, lorsque nous voyions que vous avez un don spirituel qui serait à notre détriment. Nous vous faisions alors voir votre parent vous dire que vous devez être un marabout, une voyante, ou un sangoma, devin et médecin traditionnel. Quand vous commencez avec cela, vous êtes alors introduit au serpent. Un serpent représente un sataniste, et Satan lui-même. 5 étoiles représentent des adorateurs du diable. Quand vous pensez que vos ancêtres communiquent avec vous, ce n'est pas vrai, c'est en fait nous qui communiquons avec vous. Nous allions dans les maisons où nous étions attirés par l'encens, et nous buvions le sang qu'ils nous sacrifiaient. Nous dormions dans leur lit, et nous amusions. Quand quelqu'un était sur le point de mourir, j'étais envoyé pour examiner si la personne était sainte. Si elle n'était pas sainte, j'écrivais son nom dans notre livre, afin qu'au jour du jugement, elle aille en enfer brûler avec nous. Nous savions que nous irions brûler en enfer, on nous l'avait dit. Parfois, ils exigeaient que nous jeûnions 40 jours, ou 60 jours, si un certain pasteur devait prêcher quelque part. Car il n'y avait rien que nous ne puissions voir sur la terre. S'il arrivait que tu fasses moins de 40 jours, tu étais puni pour cela, parce que nous devrions arriver puissants à cet endroit. J'arrivais donc la première à cet endroit pour faire des incantations, afin que ceux qui y viennent n'écoutent pas, et ne se repentent pas, et que le chef de cet endroit ne soit pas brûlé par les prières. J'allais également dans l'espace pour le protéger afin que les prières ne le brûlent pas. Car s'il brûlait, on verrait un soulard être sauvé et proclamer que Jésus est Seigneur, une prostituée être sauvée et proclamer que Jésus est Seigneur. Si donc vous voyez de telles choses se produire, sachez que le pasteur qui est en train de prêcher a prié, et le chef a été atteint par le feu. Et le démon s'est déplacé un tout petit peu, car le rôle de ce démon, qui est aussi chef, et de s'asseoir sur les résidents de ce lieu, et de les entourer d'esprits maléfiques afin qu'ils ne soient pas sauvés. Et que ceux qui boivent, boivent jusqu'à ce qu'ils meurent. Que ceux qui vont en prison y meurent. Que ceux qui adorent les idoles, et font le culte des ancêtres, continuent de le faire jusqu'à ce qu'ils meurent. Que ceux qui sont prostitués, continuent dans leur prostitution jusqu'à ce qu'ils meurent. Je ne travaillais pas dans le Sud-Coast, parce que je viens de là. J'ai travaillé dans des endroits tels que Durban, et ailleurs. Quand j'étais dans l'espace, il ne m'appelait pas par mon nom, il m'appelait par mon code. Il m'appelait par mon code pour me dire par exemple, que je dois me presser, et aller au Swaziland, ou à Durban. Comme l'entreprise là-bas avait fini de fabriquer des boucles d'oreilles, je devais y aller pour faire les incantations dessus, avant qu'elles ne soient envoyées dans les boutiques. C'était mon devoir de faire des incantations dessus. Une autre année, j'ai été envoyé à Ntuzuma. Il y avait un pasteur là-bas, je ne mentionnerai pas son nom. J'avais été envoyé pour enlever sa sainteté.